Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir une leçon d'expression orale dont l'objectif est de savoir comment interdire. Avant de commencer, je vous invite à bien observer cette image. Et n'hésitez pas à envoyer des audios à la direction de l'école dans lesquels vous allez me dire bien sûr ce que vous voyez sur l'illustration. Alors, si c'est fait, passons maintenant au dialogue. Écoutez-le attentivement. Unité 9. Livret d'activité, page 76. J'écoute un dialogue. Dans la rue, un policier discute avec le conducteur d'une voiture. Monsieur, monsieur ! Oh, un policier ! Qu'est-ce qu'il veut ? Oui ? Il ne faut pas rester garé là. Pardon ? Je dis, c'est interdit de se garer ici. Ah bon ? Et pourquoi donc ? Il y a un panneau interdiction de stationner ? Non, mais vous êtes garé sur un arrêt de bus. Vous voyez le panneau ? Quel panneau ? Celui-ci, là. Oh, bah ça alors ? Il a disparu ? Quelqu'un l'a enlevé ? C'est incroyable ! Donc, je peux rester ? Non, non, il ne faut pas rester. On ne doit pas se garer ici, c'est tout. Poussez-vous, il y a un bus qui arrive. Alors, voyons maintenant, est-ce que vous avez compris le dialogue ? Répondez à ces questions. La première question, quels sont les personnages? Alors oui, les personnages sont le conducteur et l'agent de police. Question 2, où se passe la scène? Oui, la scène se passe dans la rue. Question 3, de quoi parle-t-il? Alors là, ils sont en train de parler de l'interdiction de stationner sur un arrêt de bus. Alors, pour interdire, on peut utiliser l'impératif présent à la forme négative. Par exemple, ne traverse pas à l'aveuglette. On peut utiliser aussi l'expression il ne faut pas, plus un verbe à l'infinitif. Exemple, il ne faut pas traverser. Comme on peut utiliser l'expression il est interdit de, plus un verbe à l'infinitif. Par exemple, il est interdit de se garer ici. On peut aussi utiliser l'expression « il est défendu de » plus un verbe à l'infinitif. Exemple, il est défendu de traverser n'importe comment. À la prochaine vidéo et à bientôt.